à toutes et à tous. Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un contrat que m'a fait Moustique du 50 sur Hitman encadré 2016. Voilà. Alors vous avez vu la première vidéo de Katz, j'allais dire Moustique de Katz, qui a fait le contrat aussi que Moustique l'avait fait, c'était Crétin d'humain, je crois, le titre de la vidéo. Je vous invite à la regarder parce qu'il a fait un superbe boulot. Bon bah, je n'ai pas les talents de Katz. Du coup, je me fais à la cool parce que bon, moi je suis plus comme ça en live. Parce que moi, vous savez que les fails et moi, voilà, on est copains. Hein. Enfin, moi je suis pas copain avec lui, mais lui apparemment il est copain avec moi, semble le dire. Du coup, on va faire une première fois, on va découvrir le contrat. Là, j'ai tapé le code. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il m'a juste dit que c'était au Japon avec Hokkaido. La dernière map du jeu qui est assez grand, qui est assez dur, et franchement je l'en félicite d'avoir réussi à faire un contrat. Il m'a dit juste qu'il faut être patient pendant ce contrat, c'est tout ce qu'il m'a donné comme indication. Alors voilà, je lance une première fois, je vois comment faut tuer la victime et tout ça, peut-être faire des fails. Ensuite je couperai, je ferai quelques essais en off et tout ça pour voir, et dès que je sens que j'ai bien géré la mission, je lancerai tout de suite directement l'enregistrement et on regardera, on verra si j'arrive à bien faire le contrat ou pas qu'il m'a donné. C'est parti, alors voyons voir ce que Moustique va préparer. Alors déjà on lit le briefing parce que voilà, on est quand même un agent un agent quand même très 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 professionnel. Voilà, j'ai eu très 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 du mal à trouver le mot. C'est parti. Bonjour, agent Snake 5030. Votre mission est d'éliminer ces deux gardes qui ont gâché les séjours du client. Et pour le troisième, c'est juste totalement gratuit. Bon meurtre. Ok, c'est tout à fait Moustique ça. Du coup, le troisième est totalement gratuit. Alors le premier, comment il faut le tuer? Une chute d'un accident avec un costume. Alors il faut garder le costume. Celui-là il faut garder le costume. Et celui-là il faut avoir l'agent de sécurité de la station. Ok. Alors lui il faut que je fasse une chute. Alors éliminer en utilisant non armé. Alors par contre je sais pas ce que ça veut dire ça, non armé, je crois que j'ai jamais encore fait ça. On va le découvrir ensemble. Et lui c'est une chute. Alors il y en a deux que c'est une chute et l'autre c'est non armé. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors c'est parti. Objectif. Alors voilà. Bon, par contre je vais pas prendre non. C'est bon, on va prendre celui-là. Voilà, je préfère. Bon, bien évidemment, comme c'est la dernière map, on n'a pas le droit de d'avoir d'armes. Parce que c'est la map la plus dure. Enfiltrer en tant que ninja. Au spa, non, parce que sinon j'ai plus mon costume. Du coup, ouais, je suis obligé de garder ceux-là. Bon, alors, c'est parti. Il y aura des cuts et tout ça pour la vidéo. Je vous couperai les moments très très chiants, bien évidemment. Il y aura du montage à faire. Ça demande du boulot. En fait, je vais peut-être pas faire cette vidéo. Parce que je suis feignant. Non. Alors, on va couper les moments chiants. Parce que je sais. Ah oui, je me rappelais que le chargement était très long. Voilà le temps que ça met, bordel de cul. Ah, c'est bon. Alors, comme tout le monde, l'agent 47 dort avec son costume. C'est comme tout le monde, bien évidemment. Et sans mettre la couverture, bien évidemment. Alors, déjà, faut que je me rappelle des touches. Ok. Alors, ça, c'est pour courir, ça, c'est pour zoomer, ça, c'est pour ok. Ça, c'est changer de caméra, ok. Voilà, je vous le dis, hein, là, je viens de lancer le jeu. Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué, bien évidemment, parce que j'avais prêté un Moustique. Mes victimes sont là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Alors, ah ouais, ils sont en bas. Il y en a une en bas. Elle est où la troisième? Et la troisième est là. Et lui, il faut que je le tue. Faut que je le tue avec un costume, c'est ça? Accident, chute, agent de sécurité de la station, c'est ça. Ok. Ok, bon. J'aurais pas du tout dû passer par là. Merde, comment je faisais avant? Oui, ah oui, je sais, je me rappelle. Voilà. Hop. Là, on descend. Voilà. Ouais, mais ça, je m'en fous. Je m'en bats les steaks, et où? Alors, lui, c'est un accident, une chute, ok. Ok. Alors là, il faut que lui, je le tue d'un accident. Alors, on le maîtrise. Mais arrête, mais pourquoi il m'explique le jeu? Je sais comment on fait. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais merde. On prend le pistolet parce que c'est gratos.
Hop. Alors attends, déjà. On prend son. On se déguise. Oui, déguisement, je sais. Mais pourquoi je veux pas le tutoriel, moi? On se reprend son costume. Voilà, comme ça au moins j'ai son déguisement de côté. Qui a trouvé un corps? Qui a trouvé un corps? Ok, bon, il y a quelqu'un qui a trouvé un corps, je sais pas qui, mais il a trouvé un corps. C'est pas grave, lui. Hop, victime par accident, c'est fait. Il y a eu un corps de trouvé, je sais pas pourquoi. On prend la canette là. Voilà. On range la canette. Ah, c'est lui qui a trouvé, d'accord, ok. Ok, c'est lui de loin qui a vu. Alors attendez, on va l'attraper. Oui, combat rapproché, d'accord. Ok. Je voulais juste l'endormir. Mais c'est pas grave, c'est un test, c'est un test. On s'en fout, c'est un test. On s'en bat les steaks. C'est un test. Alors on se fout un petit peu. Alors lui, il faut que je tue comme ça. Et le dernier, il est où? Il est là-bas, ok. Voilà, comme je l'ai dit, on y va, on découvre d'abord le contrat. On voit comment je fais le bien et tout, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, ensuite seulement, je refais le contrat. Excusez-moi, j'étais concentré chez lui parce que j'ai eu un peu peur de cet homme avec un joli chapeau qui aurait pu me rencontrer. Alors lui, c'est non armé. Alors non armé, je suppose qu'il faut que je lui brise le cou. Alors voyons voir. D'accord, ok, alors là il est carrément repéré. Attends. Allez hop, voilà, un petit peu de... Alors voyons voir si c'est ça déjà. Voilà, on va lui briser le cou. Ah non, c'est victime en combat rapproché, donc c'est pas ça. Ok, alors attendez, parce que là je comprends... Ah merde, comment on fait les objectifs? Ah si, non armé, c'est ça aussi, c'est bon, ça, c'est donc ça, c'est bien ça, il faut lui briser le cou. Ok, alors du coup, on va le mettre son corps là. Ok, alors on prend son, on prend son costume. Putain, ça m'énerve là, avant il n'y avait pas ça, il nous disait, il n'y avait pas le putain de... De tutoriel là. Faudrait que je vois si je peux pas le désactiver après. Alors ensuite, le dernier, c'est par un accident. Voilà, en tout cas pour l'instant les deux premiers ok, je connais par cœur, j'ai déjà fait cet endroit là de fond en comble. Il me manque plus que... Alors voyons voir. Il est où? Alors lui il peut me repérer, lui apparemment, ok. Le mec est là-bas. Là eux ils peuvent me repérer. Ok, alors lui, il faudrait que ce soit un accident, une chute. Alors, mais comment on peut faire... Ah, une chute ici. D'accord. Ok. Hop, alors on essaye. Voilà. On le maîtrise. On le prend. On le prend pas dans le sens que vous pensez, hein. On le prend... On l'accompagne vers la sortie. Et là. Ah, on est. J'étais compromis. Qui m'a vu? Ah d'accord, les gens là ils peuvent voir à travers. Ok, c'est bon à savoir. Alors et là. Et là je peux pas le balancer là. Ah là il y a des vitres, non? C'est ça? Pourquoi je peux pas le balancer là? Ah il y a une vitre, mais je la vois pas en fait. Attends, voyons voir s'il y a une vitre. Il y a une vitre, d'accord, ok. Bonjour, excusez-moi monsieur, j'étais en train de tester. Non mais toi t'es mort, un peu d'action. Oh, direct dans la tête, voilà, ça c'est fait. Non, non, vous m'avez pas vu, c'est pas vrai. Je testais, je voulais voir, alors attendez, une chute. Où est-ce qu'on peut le faire tomber d'une chute? Il y a les escaliers, d'accord. Après je pourrais le faire tomber dans les escaliers qui sont là, mais tout le monde va le voir, non? Quand il va tomber, ils vont se retourner, ils vont le voir. A mon avis, il faut que juste que je suive son trajet et je voie son trajet. Ok, eh bien écoutez, c'était la première expérience de savoir comment tuer les victimes, dans de quel moyen et de quelle façon des plus infiltration pour réussir à les avoir. Voilà, alors comme ça, c'était le début. Comment on fait pour recommencer? C'est pas dans ça, c'est dans...
recommencer la mission, voilà. Écoutez, bah moi je vais refaire en off, me préparer tout ça comme il faut. Bien, parce que c'est toujours comme ça quand on fait un contrat, faut bien planifier son contrat, le refaire plusieurs fois pour être sûr de savoir bien comment tuer. En tout cas, les deux premières victimes, je sais comment faire, c'est bon, ok, pas de soucis. C'est la troisième, à mon avis, faut la suivre, attendre un bon moment. Voilà, en tout cas, un très joli contrat, bien sympathique à faire, que j'ai fail bien comme il faut, en tout cas, dès le début. Voilà, on se retrouve tout de suite. Re les amis, eh bien voilà, j'ai refait plusieurs fois le contrat, j'ai essayé de voir les plusieurs manières d'aller le plus vite possible, de réussir le mieux possible. Voilà, bon j'ai recommencé plein de fois, c'était une belle petite mission, franchement, pas piquer des hannetons comme dirait je sais pas qui, mais voilà. Et du coup, alors c'est pour ça que je suis en pause, parce que dès que je vais commencer là, ça va se jouer très vite. Alors c'est pour ça, je vais essayer de vous expliquer au mieux que je peux, mais c'est en live. Alors pardonnez-moi si je l'explique pas très bien, ou des fois je suis un peu silencieux, mais en fait là, tout va se jouer la seconde près, car le dernier victime, ça, que vous rappelez-vous-en qu'il fallait que je la suive, j'ai trouvé un moyen d'aller encore plus vite que attendre qu'elle se place au bon endroit pour la tuer. Je peux la tuer directement dès le début, la dernière victime. Voilà. Et vous allez voir que j'ai mis un compteur en haut parce qu'apparemment maintenant on peut, dans les options, on peut voir le compteur de secondes dès que la mission démarre, et ça c'est super, c'est pour ça que vous le verrez en haut. Voilà. Alors là on démarre, voyez-vous, ma victime est là, elle va parler, mais je vais couper son dialogue parce que son dialogue est beaucoup trop long et ça me fait perdre du temps. Du coup je vais aller chercher directement les ciseaux qui sont ici, ouvrir la porte qui est là pour attirer le garde qui est juste là, voilà. Je reprends les ciseaux. Hop, je me cache dans le coin. Comme ça, je peux récupérer le costume de cet homme-là pour tuer la victime qui est là. La victime qui est là-bas, c'est l'homme rose qui est la dernière victime qui, normalement, qui fait un trajet. Oh, j'ai suivi son trajet, qu'il est long. Mais je me suis dit, comme je suis un gros impatient, je me suis dit, il y a sûrement moyen de le tuer encore plus vite. Du coup, il faut avoir le costume d'un garde pour le tuer, comme vous l'avez vu. Et du coup, je vais prendre le costume de ce garde-là qui va rentrer. S'il veut bien, si je me loupe pas, parce que des fois vous savez que si on n'est pas bien derrière le dos, il veut pas maîtriser Hitman. Voilà, là je le maîtrise. Je lui prends son costume, très très vite, vite, vite. Voilà, je me dirige là où la personne va sortir de son bureau. Enfin de sa suite. Voilà, juste là, je l'attire juste derrière. Je me mets bien derrière lui parce que sinon, il va se douter de quelque chose. Hello? Voilà, et là il y va. Du coup, je le suis. Je peux rentrer dans sa suite. Je ferme derrière. Voilà, là, hop. Je le maîtrise. Personne ne m'a vu, c'est bon. Parce que des fois, il y a des mecs là. Des fois, il y a un mec ici. Osef, des fois, il te voit. Je sais pas pourquoi. Enfin, il t'entend. Ou il te voit rentrer dans l'appart. Du coup, il tilte. Là, il a pas tilté du tout. Est-ce que j'ai pris les ciseaux? Merde, j'ai pas pris les ciseaux. Parce que j'en aurais besoin après. Bon, c'est pas grave. Les ciseaux, c'est pas grave. On en a pas vraiment besoin. Du coup là je peux le tuer à la chute dans sa suite, juste là. Hop. Voilà. Ça me valide le truc. Et là vous allez vous dire, Miss Snake, il faut que tu tues les autres avec ton propre costume. Mais ton costume, pour l'avoir, faut que tu rentres dans ta suite. Mais ta suite, tu peux pas l'avoir. Faut que tu peux rentrer qu'avec ton costume. Du coup, comment tu fais? Parce que si t'as pas ton costume, tu peux rentrer dans ta chambre. Et ben si, parce que tout est relié par ce petit balcon, ma chambre qui est juste à côté. Et du coup, je peux passer par là pour reprendre mon costume, pour aller tuer les autres victimes avec le costume. Parce qu'en fait, on peut passer par là. Alors, j'ai essayé de le faire au tout début, quand la victime que je viens de tuer là tout de suite était à son balcon en train de téléphoner. Le problème, c'est qu'elle nous regarde directement. Et le trajet, comme vous voyez, est très 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 long pour aller sur le balcon. Du coup, on part un temps fou et il nous voit tout de suite. Et du coup, on n'a pas le temps de le tuer comme ça. Et de toute façon, j'aurais eu besoin d'un costume. Du coup, j'aurais besoin de ressortir et je ne pourrais pas re-rentrer. Parce que pour re-rentrer dans les chambres, il faut avoir le costume adéquat. Du coup, j'aurais dû avoir le costume de la victime pour re-rentrer dans sa chambre. J'espère que c'est assez compréhensible ce que j'explique. Alors là, du coup, je reprends tout de suite mon costume directement. Alors, vous remarquez que les agents de sécurité n'ont pas le droit d'aller dans les chambres des clients. S'ils sont suspects, ils peuvent rentrer comme ça directement. Mais moi, si j'ai le costume, je ne peux pas rentrer. C'est chelou. Ils ont les droits. Eux, ils ont des droits que moi j'ai pas alors que j'ai leur costume. C'est chelou. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Alors là, je contourne bien ce rocher pour éviter la caméra qui est juste là-bas. Parce que tout à l'heure, je me suis fait un petit peu repérer en refaisant la mission en off, hein, vite fait. Voilà. Du coup, je vais me diriger vers maintenant mes deux autres victimes que vous avez vu précédemment quand j'ai commencé un petit peu le contrat tout seul. Voilà. On descend du tuyau ici.
Ma deuxième victime est juste là en train de parler. Par contre, là, ça va être très chaud parce qu'il faut que j'attende qu'elle se retourne bien dans son dos, sinon elle va me voir. Alors là, ça va être très chaud. J'espère que j'aurai le bon timing. Alors là, elle se tourne vers moi, voilà. Normalement, elle retourne dans le dos, là, comme ça. Et attaque silencieuse, voilà. Assommé. Je le balance. Voilà. Par là, ça va faire un accident de la chute. Parfait. Comme ça, je peux aller directement à ma deuxième victime. Vous voyez, normalement, je regarde vite fait, mais tout a été... Oui, tout est bon. J'espère que je n'ai pas été fait repérer. J'ai pas fait trop gaffe à ça, je vous avouerai. Là, je sais qu'il y a quelqu'un, je me mets bien derrière son dos, je suis au bon timing. Comme vous voyez, je suis au bon timing parce que si là, lui, il fume une clope ou il reste sur le dos au mur pendant 30 piges et ça met un peu de temps. Alors là, j'ouvre la porte, je ferme bien la porte derrière moi, sinon il va m'entendre. Là, je lui lance le marteau à la gueule. L'autre n'a rien entendu. Non, l'autre n'a rien entendu, c'est parfait. Je me prépare, je lui brise le cou. C'est parfait, je prends son costume parce que maintenant... J'ai tué tout le monde comme il fallait. Je le cache dans le petit placard. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris son costume. C'est tout simplement parce que comme ça, je peux m'enfuir avec l'hélicoptère. Et on est bon. Voilà, défi réussi. Ah putain. Oh c'est cool, par contre il y a le tutoriel qui s'affiche à chaque fois. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai réinstallé le jeu, je ne sais pas. Mais voilà, alors par contre ça va faire un petit peu redondant sur la mission de Katz, parce que Katz est parti aussi en hélicoptère. Alors comme ça tout est lié. Voilà, j'ai réussi la mission que Moustique m'a faite. Alors on regarde les points. Tout est parfait, assassin silencieux. C'est magnifique, j'ai réussi à faire que la dernière victime en rose, qui est la plus chiante, n'est pas possible, qu'il faut la suivre et qu'il faut attendre qu'elle revienne dans son balcon, parce que vous voyez, il faut la suivre, sinon on peut pas rentrer dans sa chambre. Hein. Je rappelle que pour rentrer dans la chambre, il faut avoir le costume, du coup j'aurais dû avoir son costume pour rentrer dans sa chambre, mais pour prendre son costume, il faut que je le tue. Mais pour le tuer, il fallait que j'ai le costume d'agent de sécurité. J'espère que tout a été compréhensible. Je vous invite à la refaire. Vous avez le code d'idée du contrat de Moustique juste en bas là, dans mission accomplie. Moi, franchement, j'ai trouvé une mission très 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 bien, parce que ça, en plus ça devait être compliqué d'en faire une sur la dernière carte, comme vous voyez, parce que toutes les suites, toutes les chambres, toutes les portes du jeu s'ouvrent qu'avec un costume adéquat. Il faut que tu tues la personne avec une costume. Les deux étaient assez sympathiques à tuer, mais le dernier, franchement, Moustique a bien cherché, il a bien dû se creuser la tête. Alors je remercie Moustique d'avoir fait ce petit contrat. Il m'a bien amusé, il m'a bien cassé la tête aussi, hein, parce que j'ai bien cherché, parce que j'en avais marre de le suivre, le mec en rose. Et je me suis dit, je suis sûr que j'ai un moyen de gruger le jeu, de gruger la mission en le tuant directement dès le début, sans attendre de le suivre pendant trois plombes, parce qu'après ça s'enchaînait directement avec les deux autres qui étaient parfaits, le timing était parfait, l'autre qui a adossé au mur se barre au moment que j'arrive, c'était parfait. Bon voilà, j'espère franchement que cette petite mission vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et regardez les autres vidéos de mes collègues, regardez la vidéo de Katz sur sa mission, sur le contrat qu'il a fait aussi, qui était vachement très très bien. Il a fait un putain de montage dessus, je vous le recommande. Bon, moi c'était somme toute assez en live, hein. Ça m'a plu, il y a eu un peu de tension, j'ai eu peur qu'il y ait eu que des fails, parce que franchement j'ai refait plusieurs fois en off comme je vous ai dit. Et il y a des moments, par exemple le garde que j'assomme dès le début, des fois dans la suite il tombe, et il tombe près de la porte, et la porte ne se ferme pas quand il est à côté de la porte. Du coup, quand il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, il voit le corps du garde parce que la porte est ouverte. Et au début, j'avais pas vu que la porte est ouverte parce que je croyais qu'elle se fermait, moi, automatiquement. Mais vu qu'il était à côté du corps, elle ne se fermait pas. Du coup, j'ai recommencé. Pareil pour attirer la première victime, là, avec son kimono rose et son chapeau cowboy. Pour l'attirer, des fois, avec les ciseaux dans sa suite, des fois, il voulait pas y aller ou il voulait y aller. Ou des fois, un scientifique à côté me voyait lancer l'objet. Donc, du coup, il voyait. Donc, il y a beaucoup de moments un peu what the fuck qui peuvent aléatoirement se passer. C'est pour ça que j'ai lancé l'enregistrement. J'ai dit, oh putain, je recommencerai s'il y a une couille. Mais ça s'est passé nickel. Et je suis content de moi, j'ai refait plusieurs fois. J'espère franchement que cet épisode vous aura plu. Enfin cet épisode, cette mission vous aura plu. Je remercie Moustique. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Je remercie Moustique. Merci d'avoir au moins l'une des missions. On s'en fout. Ah mais il y a trop de trucs. Non merci plus. Mais il me met des messages, je m'en fiche. Voilà.
Je sais plus ce que je veux dire. Oui, bon, je vous remercie Moustique. Très bonne mission. Cette vidéo aura été assez courte, hein, je m'en rends compte. Hein. Enfin, mais bon, c'est bien. Quand c'est court, c'est aussi bon. Hein. On peut, faut pas obliger que ce soit trop long. Je comprends que je suis en train de bafouiller et de parler pendant trois plombes. Mais je voulais remercier quand même Moustique parce qu'il a fait un putain de contrat, il a dû chercher. Et j'ai franchement très bien essayé son... Et franchement, je trouve que Moustique a le don, vous savez, trouver la petite pépite, le petit truc. Par exemple, la première mission que je vous invite à regarder où il avait fait... Alors attendez, est-ce que je peux la retrouver? Il faudrait que je lui fasse un peu de pub quand même parce qu'elle était vachement bien. Dans favoris, dans mes comptes... Non, peut-être dans favoris. Non, c'est pas celui-là. Mon historique. C'était celui-là, je crois que c'est celui-là. Alors, attendez, ça charge. Bon, oui, c'était celui-là. Où il fallait tuer un homme par noyade. Et on savait pas comment le tuer par noyade. Parce que il était dans un hôtel. Et il se baladait des bas. Il y avait de l'eau autour, mais il ne se baladait jamais là où il y avait de l'eau. Et en fait, il fallait le tuer. Bah, je vous dis pas comment il fallait le tuer. Tiens, ça vous. Comme ça, si vous avez pas vu la vidéo, je vous inviterai à la regarder. Elle est sur la chaîne, vous pouvez la retrouver facilement. C'était Moustique m'a fait un contrat. Le jeu me hait, un truc comme ça. Du coup voilà, je vous invite à le faire parce que franchement je trouve que Moustique a le don de trouver des petites pépites qui vous fait chercher, qui vous fait trifouiller le cerveau pour vous dire mais comment faut que je puisse l'avoir. En plus faut que j'essaye de l'avoir le plus vite possible parce que ça joue, tout se joue au chronomètre, au chrono sur Hitman les contrats. Du coup voilà, j'espère que cette petite émission vous aura plu. J'ai encore parlé pendant 3 heures mais j'ai vraiment été content de ce contrat et j'espère que ça vous a plu aussi. C'est pour ça que je voulais remercier Moustique. Voilà, je remercie peut-être un petit peu trop. On va commencer à croire que je fais de la lèche. Du coup je vais rajouter un petit truc en sa défaveur. Les deux autres victimes étaient trop faciles. Voilà, il y a juste ça. Non, c'est pas vraiment. C'était plutôt bien, mais bon, je dis que c'était nul comme ça, ça. Il va pas avoir la grosse tête. Voilà. Et ben voilà, faut que j'arrête de dire voilà. Salut tout le monde et portez-vous bien.